Un jour, un élève demande à son maître: Maître, c'est qui fait la bonne calligraphie? Le maître, il a répondu: Celle qui a un bon canif de tailler le calame. Déjà, il a besoin d'une maîtrise, du coup, tailler le calame, les élèves. Comme un élève de musique, il faut apprendre, c'est-à-dire avec le temps qu'il vient d'apprendre comment on accorder les instruments de la manière juste, parfaite. C'est toujours c'est le maître qui coupe, taille, réparer le calame des élèves. C'est que calligraphie, c'est pas seulement une discipline artistique. Calligraphie, c'est une culture. C'est une culture qui vient de siècles et siècles. Et c'est un art qui est un véhicule de transmettre vers les élèves. Et ça continue comme ça, comme une chaîne. À travers de transmission de cet art, c'est une collectivité historique. C'est-à-dire qu'on est dans une chaîne qui continue avec les autres, avec les gens du passé, aussi pour les gens qui viennent à l'avenir. On a besoin d'un certain principe, une certaine culture qu'il faut respecter, qu'il faut continuer. Et ça, dans la calligraphie, s'appelle adab.